Téléspectateurs de la chaîne des Nouvelles Idées, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour le menu de ce soir, ils n'en peuvent plus des répressions et des harcèlements que leur font vivre les services du ministère du Commerce. Eux, ce sont des acteurs économiques de la région des Hauts-Bassins. Ils interpellent le ministre Haruna Kaboré à faire preuve de diligence. Leurs explications à suivre dans un instant. La Commission nationale pour les réfugiés, CONAREF, outille en matière de gestion des réfugiés les élèves diplomates d'instituts publics et privés. Une formation qui s'inspire du contexte sécuritaire actuel marqué par un rebond des attaques terroristes. Ils nous partagent ce qu'ils ont appris dans un instant. Et puis, la Tabaski ou Aïd El Kebir, c'est le mardi 20 juillet prochain. La mairie de Ouagadougou, à travers un communiqué, a rappelé l'arrêté municipal qui interdit la vente de bétail et de la volaille dans les rues. Sur le sujet, des citoyens et des vendeurs d'animaux se prononcent dans ce journal. Vous les entendrez. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la soirée. Cette information sous forme de brève pour débuter. L'élection du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et des vice-présidents initialement prévus ce jeudi 15 juillet 2021 a été reportée au lundi 19 juillet 2021. Selon le ministre d'État en charge de l'administration territoriale Clément Sawadogo, sur 15 commissaires convoqués ce jour, seulement 9 se sont présentés. Les 6 autres ont opposé un refus catégorique. Pour rappel, l'opposition recuse le candidat présenté par les chefs coutumiers. Nous parlons du Sao Naba, soupçonné d'être un partisan du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Et pour la suite, je vous l'indiquais en titre, des commerçants dénoncent des répressions et des harcèlements des services du ministère du Commerce alors que le double contexte sanitaire et sécuritaire ne favorise pas le climat des affaires. Il s'agit des acteurs économiques des petites et moyennes entreprises des Hauts-Bassins. Ces commerçants menacent d'entreprendre des actions plus vigoureuses si le ministre Haruna Kaboré reste sourd à leurs revendications. C'est à Bobo Dioulasso, devant la presse, qu'ils se sont fait entendre. Les précisions nous sont confiés par Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Les acteurs des petites et moyennes entreprises des Hauts-Bassins s'insurgent notamment contre les pratiques de repression et de harcèlement de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes qui procèdent à des contrôles incessants, les saisies de marchandises et à la fermeture de magasins sans préavis. Une situation malheureuse qui crée selon eux le chaos dans l'exercice de leur travail. Le ministère du Commerce, à travers sa brigade de contrôle et de la répression de la fraude, décide de faire une répression que nous qualifions de barbare dans le milieu des petites et moyennes entreprises. Ces acteurs économiques qui souffrent déjà des conséquences du terrorisme et des restrictions liées à la COVID-19 estiment que toutes ces manœuvres sont de nature à compromettre dangereusement les efforts de relance économique prônés par le président du FASO. Quand par exemple la brigade mobile saisit un camion de l'Anacar ou de Sésame, on demande un reçu. Le producteur qui connaît les noirs, il va une boîte. Ce producteur-là, si tu lui demandes un reçu, il va te donner. Il va avoir ça où? On doit organiser d'abord nos secteurs. La loi a demandé, mais qu'est-ce que eux, en tant que gouvernement, ils ont fait sur le terrain dans ces secteurs-là? Au regard de ce qui précède, les animateurs de la rencontre de mercredi estiment que la résolution de cette situation passe nécessairement par la prise d'un certain nombre de mesures spécifiques. Nous souhaitons, au titre des activités commerciales de façon générale, la réouverture des frontières terrestres pour un meilleur exercice de nos activités, l'accompagnement des PME, petites et moyennes entreprises, à la formalisation de leurs activités au lieu de procéder à la fermeture de ces entreprises. Au titre de la filière Anacard, la non-mise à disposition de la subvention au titre de l'année 2021 au profit des fêtières de la filière Anacard, toute chose entraînant un dysfonctionnement des organisations des acteurs avec plus de 6 mois d'arriéré de salaire pour leurs employés. Si les préoccupations évoquées lors de cette rencontre ne sont pas diligemment prises en compte par le ministre Haruna Kaboré, les conférenciers qui disent être ouverts à tout dialogue pourraient entreprendre la fermeture des marchés EIA sur...
l'ensemble du territoire régional. L'Union des acteurs économiques des petites et moyennes entreprises des Hauts-Bassins regroupe des commerçants, des acteurs du groupage, des transporteurs, des céréaliers et ceux des filières Sésame et Anacard. La suite, c'est un autre sujet qui nous intéresse. 6 mois de prison et 250 000 francs CFA d'amende, le tout assorti de sursis. C'est la réquisition du procureur du Faso près le TGI de Kongoussi, Lambert Sanfo, contre 5 élèves jugés dans le cadre du décès de l'élève Cécile Kinda lors d'une manifestation scolaire le 29 avril dernier. Il s'agit du délégué du lycée provincial de Kongoussi et de son adjoint, ainsi que leurs responsables activités socio-culturelles, du délégué du lycée municipal et celui du lycée privé de l'Amitié. Ils ont tous comparu hier 14 juillet devant le TGI de Kongoussi pour organisation de manifestations illicites et homicides involontaires. Notons que le père de Cécile Kinda ne s'est pas constitué partie civile dans le dossier. Et toujours dans la même localité, à Kongoussi, dans la province du Bam, région du Centre-Nord, des citoyens comptent marcher le samedi 17 juillet prochain contre la multiplication des attaques terroristes. Dans une lettre en date du 13 juillet, la mairie de Kongoussi a autorisé ladite marche, une information confiée par l'agence d'information du Burkina AIB. Toute autre chose pour poursuivre, mesdames et messieurs, la question des réfugiés fait de plus en plus des choux gras de l'actualité avec le rebond des attaques terroristes au Burkina Faso et dans les pays frontaliers. C'est ce contexte qui a motivé la Commission nationale des réfugiés, CONAREF, à outiller les élèves diplomates d'universités publiques et privées. L'exercice s'est tenu dans la commune rurale de Lumbila en présence de Germaine Farama. Le Burkina enregistrait le 30 juin dernier 22 010 réfugiés et 7 000 demandeurs d'asile. Ce constat lié au rebond de l'insécurité a obligé la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés, à outiller les futurs diplomates qui auront pour mission de veiller au respect des droits et la protection des réfugiés sur le sol burkinabé, ce qui était un cadre d'échange entre les élèves diplomates et les acteurs intervenant dans le domaine. Est-ce qu'on tient compte des réalités culturelles, des habitudes alimentaires de toutes ces personnes-là pour qu'ils soient à l'aise? On a discuté avec eux, ils nous ont dit oui. En tout cas, quand nous, on était au Mali, enfin, nous sommes un peuple nomade, nous avons l'habitude de manger de la viande, de boire du lait. On a dit ok, chez vous, vous aviez cette habitude-là, mais nous, on a des réalités et on doit faire avec. On n'a pas l'argent pour vous donner de la viande et du lait. On a des céréales, vous n'êtes pas habitué à ça. Comment voulez-vous qu'on vous aide maintenant à le préparer? Vous nous dites. L'occasion était pour Rachidato Zungrana, élève diplomate, de partager son expérience sur un nouveau type de réfugié. Ma thématique, ce sont les réfugiés environnementaux. C'est une nouvelle en fait, catégorie de réfugiés. Ce n'est pas encore en fait consacré par les textes juridiques. Donc du coup, ça mène en fait sujet à débat. Qu'on voudrait en fait on puisse accorder ce statut-là à ces personnes-là qui sont contraintes de quitter leur habitation, qui vont même d'autres traverser des frontières. Comment est-ce qu'on va organiser leur protection? Donc il faut vraiment que les textes internationaux puissent vraiment répondre à ces personnes-là vraiment. C'était une formation très importante. Les participants sont satisfaits de cette formation. Et ça donne aussi des idées à d'autres personnes qui veulent soutenir, qui veulent faire leur mémoire sur ces questions de protection des réfugiés. Pour la CONAREF, cette formation vise à permettre à l'opinion publique de connaître le rôle que joue l'État dans la gestion des réfugiés. Dans le milieu habituel, on a tendance à penser qu'effectivement les réfugiés effectivement, relèvent des organisations internationales. Voilà, donc c'est pour nous une façon de réaffirmer la position de l'État par rapport à la prise en charge de cette question. Parce que c'est l'État qui octroie le statut et s'il faut le retirer, c'est encore l'État qui le retire. Cet atelier de formation a réuni des étudiants des universités privées et publiques burkinabées, dont l'Université Joseph Kizerbo, l'Université libre du Burkina et de l'Institut des hautes études internationales.
Et on s'intéresse au domaine agricole pour poursuivre. Le mung bean est officiellement reconnu comme semence agricole au Burkina Faso. C'est l'information donnée par le président de l'association Burkinbara, le Lalenaba Tigré. C'était au cours de l'assemblée générale de la dite association à Ouagadougou. Nathalie Yen a assisté. Le mung bean est désormais inscrit dans la filière des semences agricoles au Burkina Faso. C'est ce qu'a laissé entendre le président de l'association nationale Burkinbara, Lalenaba Tigré. Une déclaration faite devant les présidents régionaux de la dite association lors de son assemblée générale samedi dernier à Ouagadougou. Le prix des mung bean a connu une augmentation cette année. Et la prévision de production est de 5000 tonnes, selon le président de l'association nationale Burkinbara. Au regard des sollicitations des producteurs, et nous avons, en tout cas au niveau du bureau exécutif, décidé d'aller à l'achat d'un kilo bors champ à 300 francs le kilo, et ce qui était à 250 francs. Depuis le début de la filière jusqu'à nos jours, c'était 250 francs. Depuis 2014 à 2021, nous avons acheté à 250 francs le kilo. Mais à partir de 2021, nous allons acheter, et du moins c'est après les récoltes de cette année, à partir de novembre, nous allons acheter le kilo à 300 francs sur tout le territoire national. C'est après 7 ans de lutte que la filière du mung bean a finalement été reconnu comme une filière des semences agricoles au Burkina. Et toute autre chose pour poursuivre, la fête de l'Aïd El Kibir au Tabaski se tiendra le mardi 20 juillet prochain. Comme à son habitude, la mairie de Ouagadougou a produit un communiqué pour rappeler l'arrêté municipal qui interdit la vente du bétail et de la volaille dans les rues. Des citoyens et des vendeurs d'animaux se prononcent sur le sujet. Certains demandent à l'autorité municipale de prendre d'autres mesures pour faciliter la tâche aux vendeurs. Leurs propos sont recueillis par Daouda Yamwego. Cette communiqué là, nous pensons que c'est bien. Les mairies n'ont même plus nous ont aidés. Nous ont aidés. Donc cette action-là, c'est bon. Que Dieu lui donne la force pour qu'il nous aide. Parce que les vendeurs moutons sur les roues là, c'est pas bon. Pas bon. S'il peut venir au marché de bétail, nous on peut chercher un coin pour le donner. Il va payer pour le vendre. Sinon comme ça là, c'est pas bon. Donc il y a des gens même, les boutiquiers, les gens qui ne vendent pas moutons, si le tabaski vient comme ça, il prend l'argent, aller payer le mouton là, circuler en ville. Donc un ville ne peut pas circuler avec le mouton capital. Circuler avec des moutons pour vendre, c'est pas bon quoi. Si la mairie peut voir, créer là où les gens peuvent trouver les bétails tout proche. Là aussi c'est facile même. Parce que les gens là, aujourd'hui, la circulation, c'est pas facile à passer. Voilà, si la mairie peut voir, dans un secteur, elle peut créer une petite marché de bétail. Là, ça peut approcher la population pour chercher ce qu'il veut. Les gens qui sortent au village, les provinces, pour venir à Ouagadougou pour vendre là. En tout cas, n'a qu'à regarder ça. Parce que c'est un peu de temps seulement. 2 jours ou 3 jours seulement, elle peut retourner. Moi, je pense que la mairie, c'est l'effort que la mairie a fait. Puisque vendre la bétail partout, dans la ville ne donne pas la valeur du travail. Puisque la mairie n'a pas interdit, la mairie a dit de rentrer. On a au moins 5 ou 6 marchés de bétail à Ouagadougou. Donc rentrer dans les marchés pour vendre. Sur la route, ce n'est pas intéressant. Je trouve que la mairie, en tout cas, voudrait faire l'effort. Moi, je sais que la mairie, il a aussi des réserves dans les quartiers. Donc ils peuvent en ce moment organiser les commerçants en trouvant des solutions auprès des habitants, c'est-à-dire pour ne pas aller très loin. Même s'ils vont aller là-bas récupérer les taxes, là aussi c'est possible. Voilà, essayer d'aider les gens pour les déplacements. Surtout que c'est les fêtes. Voilà, si les gens pouvaient s'approvisionner sur place aussi, ça peut les aider. Surtout que ça ne va pas prendre du temps, c'est pour quelques jours là. Bon, je peux dire 2 jours. Donc ils peuvent trouver une réserve à côté, dans les quartiers, et puis essayer d'organiser les commerçants.
toute autre chose pour poursuivre. Le concours national de lecture et de mémorisation du Coran se tiendra du 27 au 29 juillet prochain à Ouagadougou. La phase de présélection a débuté hier pour le compte de la région du centre. C'est un concours qui vise à inciter à la lecture du Coran. Il est initié par l'association Anna Nasr. Les précisions nous sont confiées par Daouda Yamwego. L'association islamique Anasra a débuté la présélection des candidats de la région du centre pour le concours national de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. Pour le coordonnateur de l'association islamique Anasra, Nassirou Nikema, cette compétition vise à créer une saine émulation dans l'apprentissage du Saint-Coran. Cette activité a pour but donc de promouvoir l'excellence donc dans l'apprentissage du noble Coran. Et dans la vie, comme pour pouvoir promouvoir quelque chose, il va falloir donc faire des compétitions. Et nous avons jugé nécessaire que pour encourager les élèves qui sont en quête donc d'études du Saint-Coran ou pour rassurer donc les parents donc d'avoir mis leurs enfants dans les écoles donc coraniques, de savoir que les enfants aussi, ils peuvent être des gens donc du demain. Donc ces enfants qui étudient le Coran, ils peuvent avoir leur place dans la société. Et pour nous, c'est le cadre idéal donc de pouvoir promouvoir ceux qui apprennent donc le Saint-Coran. Donc ce n'est pas une activité d'une association, c'est l'activité de tous. Parce que nous avons un seul Coran. Donc nous invitons tout un chacun à pouvoir se donner de tout ce qu'il peut pour pouvoir participer à cette activité. Fatima Korgo, candidate à la phase de présélection, est heureuse de participer au concours car elle le fait pour l'amour de Allah. J'ai eu à voir la publication sur les réseaux sociaux et le Coran, c'est vraiment une des actes les plus nobles que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé et que le prophète alayhi salatu wa salam nous a vraiment transmis d'apprendre ça et aussi de le mémoriser. C'est sur cette base-là que j'ai dit pourquoi pas venir essayer en tout cas de voir ce que moi aussi je veux. Voilà, mais l'objectif au fait c'est la lecture, l'amour pour Allah, pas seulement pour le prix. Bon, c'est la lecture principalement, mais j'ai commencé la mémorisation. Avec les catégories qu'ils ont données, je ne vois pas trop si je vais pouvoir exceller. Donc j'ai pris la catégorie lecture. 116 candidats ont pris part à la phase de présélection dans la région du centre. La suite, mesdames et messieurs, on parle cinéma. L'Empire de Habib Wassé, le dernier long métrage du réalisateur Boubacar Zidadi Sidnaba. Le film a été diffusé dans la salle de ciné du quartier Wemtenga, dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. De quoi parle ce film? Eh bien, pour le découvrir, je vous invite en salle avec comme guide Fatih Sankara. L'Empire de Habib Wassé est une sélection de la deuxième saison de la série Cité Pourrie, diffusée sur Savan TV. C'est un long métrage qui dénonce plusieurs tares de la société, comme la gabégie, la frivolité et le commerce des bébés. Le réalisateur est un journaliste et reprend à sa façon la formule de Albert Londres. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter dans la plaie. Beaucoup de messages. Vous avez suivi que tous les fléaux de la société ont été décrits. La drogue, la gabégie, tout ce qui est amoral, vous avez constaté. Bon, c'est pas. Nous ne souhaitons pas que les gens emboîtent les pas de ces comédiens-là. C'est pour décrire les méfaits de la société. Vous voyez, la dame Wassé, bon, même s'il y en a eu à un moment donné dans certains pays, je crois que cela ne va plus se répéter. Il y en a qui ont l'occasion de les faire, mais bon, nous les demandons de se patienter. Ce film est plein d'enseignements et a été apprécié par les cinéphiles qui n'ont pas voulu se faire conter l'histoire. Franchement, le film c'était vraiment super. On a vraiment aimé, on a beaucoup rigolé. Donc on souhaite vraiment bon vent à l'ensemble des réalisateurs et des acteurs. C'était vraiment super, on a aimé. Surtout l'action de Yaba, le rôle que Yaba a joué, c'était vraiment super. Et puis il y avait le cuisinier aussi, c'était vraiment intéressant son rôle. Moi j'ai adoré, surtout la partie où Yaba révélait les secrets de sa maman. Je trouvais que c'était le moment où
ça pouvait leur toucher à changer. Ça m'a fait que c'est mieux d'arrêter de faire les affaires louches comme ce que sa maman est en train de faire, coucher avec tout le monde et puis surtout avec les domestiques. Ça ne donne pas une bonne image. En attendant une nouvelle projection en salle de ciné, la diffusion de la série Cité pourrie se poursuit sur Savant TV. Et nous restons dans le registre culturel avec un autre art. L'artiste, danseur et chanteur Anas Sedgo, alias Jean Baron le mannequin, a fêté ses 30 ans de carrière à travers un concert. Plusieurs artistes ont effectué le déplacement pour soutenir l'artiste. Ce concert est une manière pour lui de remercier ceux qui lui ont apporté du soutien depuis le début de sa carrière. Précision avec Pakisba Mariam Ouedrago. À l'occasion de ses 30 ans de carrière de danseur, Anas Sedgo dit Jean Baron le mannequin a témoigné sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu. 30 ans de carrière, moi aujourd'hui je suis très très content d'avoir fêté 30 ans. Nous on a commencé à danser il y a longtemps. Je suis très 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 content avec eux, comme Ahmed Simani, comme Marcel Bidoul, comme John Peter, comme Milfas. Ils sont nombreux ce soir ici pour m'accompagner. C'est un 30e anniversaire célébré dans la solidarité musicale et artistique. Seydou Kwanda d'Isaac Soba, Ahmed Smani, Natou Bass Widga, Sana Bob ont marqué l'événement avec le danseur-chanteur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Jean Baron, il y a 30 ans de cela, on était ensemble, on jouait à la maison un peu partout au Burkina, comme danseur. Et aujourd'hui, fêter ses 30 ans, si vous voyez qu'aujourd'hui, la joie qui m'anime, c'est de retrouver la grande famille Kalma, tous ceux-là qui ont œuvré pour donner une autre couleur aussi à la culture burkinabé, surtout du côté danse, depuis les années 90. Alors aujourd'hui, je suis fier. Ça représente une grande fête pour moi aussi. Moi aussi, j'ai presque 30 ans dans la danse aussi. Mais ce qu'il vient de faire, il nous a fait savoir que non, il ne faut jamais baisser les bras. Je suis très ravi avec lui, je suis très content de lui, avec son initiative, ce qu'il vient de faire aussi. Le parrain artistique Kisto Kouebre et le co-parrain Wapasi Naba Ligdi ont manifesté leur joie à cette occasion. Ils ont encouragé le jeune artiste multicasquette qui a encore son avenir devant lui. Au plan international, mesdames et messieurs, toujours dans le registre culturel, nous apprenons que le rappeur camerounais ténor, de son vrai nom Thierry Mengoumou Aya, victime d'un grave accident de la circulation. Le chanteur de la musique urbaine a vu son véhicule prendre feu ce matin aux environs de 4 heures dans un carrefour de la capitale Douala. Son chauffeur et lui sont grièvement blessés selon plusieurs sources qui indiquent qu'une dame d'une vingtaine d'années qui était également à bord du véhicule de l'artiste a rendu l'âme sur place. Rappelons que l'artiste revenait d'un concert et roulait à vive allure selon des témoins. Et ce sera tout pour l'actualité du soir. Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir suivis et très bonne suite en compagnie de nos programmes.
Tout ce qu'on va la pire. Hein?